Donc on se retrouve avec Emmanuel, l'organisateur de l'événement. Bonjour, donc moi je suis Emmanuel Bailly, président du Sauzet Mob Club, co-organisateur avec les membres du club et la municipalité de cet événement. Tu as dû passer dans le sport mécanique. J'ai commencé la compétition, j'avais 5 ans, en motocross, et puis très vite je me suis mis à la vitesse. Je fais ça pendant 25 ans. Et puis j'ai arrêté il y a quelques années parce que mon budget et mon temps passaient. Et puis voilà, on vieillit, le physique suit plus trop. Donc je suis venu à la mob un peu pour partager le deux roues avec les copains. Et puis voilà, on s'est mis au fil du temps à récupérer des mobylettes et puis à faire des balades. Et puis les 24 heures de Masseret qu'on a gagné l'année dernière. Et puis nous a donné l'idée d'organiser un événement similaire chez nous. Pourquoi organiser une course d'endurance? L'idée de ce type d'endurance, c'est l'anti-course. Et c'est ouvert à tout le monde. Du débutant de 14 ans, la mobylette a peu d'importance pourvu qu'elle roule et qu'elle soit fiable et qu'elle soit homologuée et assurée. Et voilà, le jeu se passe dans les stands, dans le paddock. Du coup, les gens roulent. Pour 12 heures, t'en as pour ton argent. Et en même temps, il y a un petit challenge, un petit jeu avec celui qui met le moins de temps dans les stands. Il y a des récompenses pour les plus beaux déguisements. Il y a des récompenses pour les plus jeunes, pour les voilà. Il y en a pour tout le monde. Et une fois cet événement fini, t'as d'autres idées en tête, en refaire un l'année prochaine ou d'autres événements liés à la mobylette ou au sport mécanique en général? Là, on va attendre que cet événement soit fini. Si ça se passe bien, on a vraiment envie de le reproduire et que ça devienne un événement incontournable dans notre commune. Il va falloir voir les réactions des gens parce qu'on les mobs roulent en ville. Pendant 12 heures, on bloque le village. Donc voilà, il va falloir voir comment tout a été apprécié par tous les membres de la communauté. Et puis après, si tout est OK, on repartira, on améliorera et voilà, on trouvera des nouveaux défis. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir accordé le temps, parce que t'as pas mal pris aujourd'hui. Puis à tout à l'heure.
Donc on se retrouve avec la team des Décapsulés, qu'on va suivre grâce à la GoPro pendant la course. Une petite présentation des pilotes et de la machine. Alors, Sissou, passé depuis toujours, par la mobilette, par le week-end en amitié avec les collègues. Et boire. Tu vois, je suis bien là. On est bien. Et voilà. Moi, c'est Poulet, donc j'ai plus le rôle de mécano. Et voilà, le fait des petits week-ends comme ça, entre potes, on fait ça deux fois par an. On s'amuse, on boit. Et là, le matin, c'est dur, quoi. Et ça revient beaucoup, le côté alcool de la soif, quand même. Moi c'est Joe et moi je bois que du jus d'orange, donc voilà, c'est moi qui vais gérer toute la journée. Enlève tes lunettes, gros. T'enlèves les lunettes, il a des yeux mais comme des pastèques. Ben alors la machine, on a tout préparé esthétiquement, je sais pas si ça se dit, parce que ça ressemble pas du tout à ce que c'était, mais voilà, c'est un truc qu'on a eu étudié ensemble, où on s'est mis en accord. Et qu'on a fait voilà, sur des bonnes journées, du travail, mais on a bien rigolé, quoi. Pourquoi participer à une course d'endurance ? Pour faire la fête. Sans nos femmes, désolé. non, girl, woman, ouais, wow, s'il te plaît. Non, c'est faire la fête, être, comme on disait tout à l'heure, être entre potes. Une amitié qui dure depuis un moment, on est motards dans la vie, comme on disait. Auparavant. Ouais, voilà. Et voilà, puis voilà, ça nous permet de se saouler, de faire la fête, d'être dans. Hop. Et voilà. Arrangé. De remplir le réservoir des humains et de la mobilette et de s'éclater. Quelles sont les préparations physiques et mécaniques ? Ah, putain, la salade, quoi. Moi, la salade, à fond la salade, toute l'année. Pour la mob ou pour toi ? Les deux. Je pense beaucoup à la machine. Je suis à fond machine, salade. J'ai même pas mangé hier soir. Mais t'as beaucoup bu. Non, arrête de. Faut couper ça. Couper. Après, je laisse parler les collègues. Préparation physique, salade, moi je rajoute tomate oignon, quoi. Bah, moi c'est. Un grec. Ouais, voilà, un grec. Et après, préparation mécanique sur la machine. Pour la méca, il n'y a vraiment pas grand chose de fait dessus. Par contre, après, voilà, on a l'expert qui est là et là, je. Bah, simplement un pot carbu Vario, c'est tout, quoi. On reste simple parce qu'on veut rester le plus d'origine pour être le plus fiable. Et voilà. C'est pas le but d'avoir un truc qui prend pour nous. Le plus fiable en sachant que tu es tombé en panne il y a 5 minutes, c'est ça ? On coupera au montage. Et toi, t'avais quelque chose de très intelligent à dire ? Ah non. Une clé à molette marteau pour réparer une mob. Ah oui, oui, ah bah oui, de toute façon, là, c'est la base, une mobilette, c'est un marteau et une clé à molette. Ce sera le mot de la fin. Ah non, j'ai oublié. Est-ce que vous avez des objectifs pour cette course ? Allez, on va te laisser parler, tu parles jamais. Alors, les objectifs, c'est un top 10. Allez, ouais, voilà. Je pense qu'on peut le faire. Parce que vu qu'on a déjà des problèmes, on va essayer le top 10. Quoi. Hier, on avait dit la gagne, hein, mais bon, hier, vu qu'aujourd'hui, on est en panne, on est pas le top 10, c'est déjà bien. Moi, je dirais qu'on continue à passer un bon week-end et qu'on s'éclate. Après, qu'on termine premier, dernier, que ça casse ou qu'on fasse n'importe quoi. Ben, qu'on s'en souvienne, quoi, et qu'on passe un bon délire, un bon week-end entre potes. Ouais, en gros, tant qu'il y a à boire ce soir, tout va bien. Non, moi, j'en fous, je suis avec mes potes et on en profite et c'est point barre. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre bonne humeur. Et puis, à tout à l'heure sur la piste. Eh ben, nickel, on est les derniers. C'est découverte du circuit.
voilà l'horloge. En tout cas, on sent la bonne odeur du dedans. On a failli partir en retard. Et si on a failli partir en retard, il faudra demander à celui qui a posté la vidéo. Mais on lui en veut pas. On lui tirera la barbe ce soir. Il y a même les bars, on pourra s'arrêter voir un coup. C'est génial ça. C'est parti pour 1h30. On a de la chance. Oh, il n'y a pas de contrôle d'alcoolémie. Pour la vitesse, on craint rien. Première panne. Il en fallait un. Bon, mais c'était pas le départ en fait. On va aller voir les copains. Je crois qu'ils étaient partis, moi. Parti.
va y aller tranquille parce qu'il faut tenir 12 heures. Si en plus il y a des trucs à vitesse, nous on est mal. J'ai ménagé la monture. Ça sent la fraise. Il y en a, on sait à quoi il tourne. Ça pédale devant, c'est ça. Position couchée. Il a raison. Là ça va, tout le monde est content, ça va peut-être pas durer longtemps, en espérant que ce soit pas nous qui tombons pas en premier, parce que ça c'est un peu notre spécialité. On en a un pour pas le nommer, Sissou, qui oublie souvent de serrer les boulons.
Ça c'est pas bien. L'inquiétude du mécano quand je passe. Savoir si je l'ai pas encore cassé. Ah, il y en a qui vont mieux en descente qu'en côte. Oh, comme des dodanes. Normalement, ce soir, on aura des courbatures, malgré la selle confort. Ça va faire 10 minutes, j'ai déjà mal, je dirais pas où. En tout cas, si ma chérie m'entend, demain, j'aurai besoin d'un bon massage. Pardon. Ça, c'est le reste d'hier.
un coup, nous comparons aux autres. Peut-être qu'on n'est pas sûr de notre monture. Ah, on a le compteur qui a rendu l'âme déjà. Il y en a, ils sont chauds. Hein. Je sais pas s'ils tiendront 12 heures à ce rythme, moi. Ouais, toujours au bar les mecs de Masseret. Hein, toujours au bar les mecs de Masseret. Ah ouais. On sait où vous trouvez. La courroie, parce que à mon avis elle va pas faire long feu.